Hey les farmers, vous voulez savoir quand sort la prochaine vidéo? N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette et de liker si vous avez aimé. Salut les papys et les mamies farmers, c'est Lady Gaia, vous me retrouvez pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment vous pouvez gagner plein de diamants en remportant des succès. Alors les succès Kezako, ce sont des missions que vous pouvez gagner en effectuant une action un certain nombre de fois dans votre ferme et qui vous font gagner des diamants ainsi que des points d'expérience. Les succès sont débloqués au niveau 6. Pour y accéder, vous devez cliquer sur votre maison blanche, c'est le seul bâtiment que vous ne pourrez jamais déplacer dans votre ferme et qui est aussi le quartier général de vos succès. Lorsque vous remportez un succès, vous pouvez voir des badges de récompense clignoter sur votre maison. D'ailleurs, savez-vous que votre maison blanche change d'aspect au fil des réussites de vos succès? Elle devient de plus en plus élaborée et de plus en plus grande avec des balcons, des balconnets, des vérandas, des fenêtres un peu plus travaillées, des doubles portes, etc., etc. Vous pouvez donc y voir le statut de vos succès, avec vos progressions, les succès en cours et récupérer les récompenses liées à vos réussites, ainsi que votre score global, le score de votre ferme, qui est le nombre total des points d'expérience que vous avez accumulés dans le jeu. Donc pour chaque catégorie de succès, vous pouvez remporter 3 étapes symbolisées par des badges de couleur. Le premier badge est vert, le deuxième bleu et le troisième rouge. Évidemment, les badges rouges correspondent à l'étape la plus difficile du succès. Le badge vert vous fera gagner 1 diamant, le badge bleu vous fera gagner entre 2 et 5 diamants, et le badge rouge peut vous faire gagner entre 3 et 10 diamants, et même beaucoup plus! Car il existe un succès à part que vous devez absolument réussir, il s'agit de cargaison de points, un des succès les plus difficiles à remporter et qui consiste à atteindre un certain nombre de points au classement des bateaux, et qui vous fera gagner 10 diamants pour la deuxième étape, donc le badge bleu, et 50 diamants pour la troisième étape, c'est-à-dire le badge rouge, je l'ai remporté, wouhou! Alors il faut savoir qu'il existe deux exceptions, deux succès qui ne vous feront pas gagner de diamants. Il s'agit de champion du derby et voisin généreux, ce sont deux succès qui vous feront gagner des décorations spéciales, mais pas de diamants ni de points d'expérience. Pour remporter le succès champion du derby, il faut participer à un certain nombre de derbies en Ligue des Champions, selon le nombre demandé par les 3 badges, et vous obtiendrez des décorations spéciales du derby. Vous pouvez voir ici que j'ai remporté la troisième étape de ce succès, champion du derby. Et le succès du voisin généreux est un peu différent car les 3 badges de réussite vous offrent un relooking complet de votre zone de voisinage en 3 étapes. Ça commence par le nichoir, ensuite le patio et enfin l'entrée pour le troisième badge. Donc comme son nom l'indique, il s'agit de donner des produits ou des cultures à son voisinage via les demandes de voisinage, donc la maison de voisinage. En ce qui concerne les autres succès, il s'agit d'actions que vous faites normalement dans votre ferme, vous allez donc en accomplir un certain nombre sans même rien faire de particulier. Et en fonction des succès, vous devrez accomplir ces actions un certain nombre de fois. Nous allons voir ensemble quelques exemples. Donc amateur de homards, récupérer un certain nombre de queues de homards. Piscine en fête, stocker des homards. Satisfaction garantie, servir des visiteurs de votre ville. Construire des bâtiments dans votre ville. Étendre votre ville. Récupérer des plumes de canard. Avoir 4 canards dans le salon de plumage, celui-là je viens de le remporter en agrandissant mon salon de plumage. Récupérer des rayons de miel, avoir un certain nombre d'abeilles, obtenir des points de derby, faire des tâches du derby. Champion du derby qui donne des décorations spéciales du derby comme je vous l'ai montré tantôt. Et voisin généreux qui embellira l'extérieur de votre maison de voisinage, nichoir, patio et entrée compris. Alors si on revient en haut de la liste, vous pouvez voir que les succès concernent aussi les livraisons en camion, les ventes aux visiteurs de votre ferme, gagner un certain nombre de pièces en vendant dans votre échoppe, les bateaux, les récoltes d'animaux, les récoltes de champs, etc., etc. Sachez qu'il y a 132 succès à accomplir au total, vous avez donc de quoi faire. Et on va tout de suite réaliser un succès ensemble. En effet, je vais tenter de gagner la troisième étape de champion du camion, où il faut effectuer 30 livraisons camion en 30 minutes. Et c'est parti pour le marathon camion!
J'ai la chance de pouvoir profiter de l'événement camion du moment qui va me faire gagner des récompenses à chaque fois que j'atteindrai un objectif d'événement personnel. Alors, pour préparer ce succès, j'ai stocké un maximum de produits dans ma grange, car certains produits sont demandés en grande quantité comme le pop-corn, les pâtes ou la crème par exemple. Mes voisins m'ont aidé à agrandir ma grange juste avant en me donnant les boulons qu'il me manquait et je les remercie car ma grange était vraiment pleine à craquer. Plus on progresse dans les niveaux, plus il faut stocker d'outils pour pouvoir agrandir et ce n'est pas évident. Cela m'a donc permis de faire de la place pour tous ces produits. Car pour réussir ce succès, attention, je ne pourrai pas jeter de commande. Quand on jette une commande de camion, celle-ci se renouvelle au bout de 30 minutes et pour accomplir ce succès, je dois effectuer toutes mes livraisons dans un délai de 30 minutes. Impossible donc de jeter les commandes où il me manquerait des produits, je dois enchaîner les livraisons. J'avais déjà préparé mon tableau de commandes en jetant les commandes un peu plus difficiles, comme les commandes de lingots car en ce moment je n'en ai plus beaucoup, je viens d'augmenter mon train perso dans ma ville et il faut des lingots pour cela, ou les commandes où il me manquait trop de produits. Toutes les commandes du tableau étaient donc validées et prêtes à partir. Je n'ai plus qu'à vous faire profiter du spectacle, ça a l'air bien parti pour gagner des diamants.
Et c'est ici qu'on se quitte, les amis. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre ferme. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous aimeriez comme vidéo sur Hayday. Et je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure.